Bonjour, je m'appelle Janelle. Je voudrais partager avec vous un rêve que j'ai fait il y a quelque temps. J'ai fait un rêve dans lequel en fait j'étais au ciel. Et je me tenais avec Jésus. Nous n'étions pas en train de parler de quelque chose, nous étions juste en train de nous faire face l'un l'autre. Et le trône de Dieu était juste derrière Jésus. C'était un grand trône. Je ne pouvais pas vraiment comprendre ou voir les détails ou autre. Je savais juste que c'était le trône de Dieu et je savais que je parlais à Jésus. Nous ne parlions même pas, mais je savais juste qui il était. Et Jésus s'est retourné et il a regardé en arrière vers le trône de Dieu. Et j'ai aussi regardé et j'ai remarqué que Dieu était juste très, très en colère. Il était si grand et fort, et sa colère était très terrifiante. C'est quelque chose auquel vous ne savez même pas comment y répondre. C'est juste très effrayant, sa colère. Bref. On aurait dit qu'il était prêt à la déverser. Il était tellement en colère contre le monde. Tellement en colère de la façon dont les gens vivaient. Il était en colère contre les églises. Comment les églises l'ont en fait oublier? Elles ont oublié la présence de Dieu. Elles ont aussi oublié de chercher Dieu. Elles ont perdu la crainte de Dieu. Et il était tellement en colère. Puis Jésus m'a regardé. Et il m'a dit qu'il allait revenir bientôt, qu'il allait me renvoyer, sur terre, à tout moment. Il a dit qu'il en avait assez, qu'il est tellement en colère contre le monde. Il a dit qu'il allait m'y envoyer à tout moment. Et Jésus était dans une telle gravité. Et vraiment, il m'a dit, encore et encore, la même chose. Comme s'il voulait vraiment mettre l'accent sur la réalité de ce qu'il a dit. Et il a dit qu'il pourrait revenir à n'importe quel moment. Qu'il allait m'envoyer à tout moment. Il a dit, je veux que tu sois prête. Je veux que ta famille soit prête. Et je veux que tu dises à tout le monde que je reviens. Dis-leur que je reviens. Il a dit, ils ne se rendent pas compte que je reviens bientôt. Et puis quand Jésus m'a dit cela, je me suis dit, pourquoi me le dis-tu? À qui vais-je dire ces choses? Et il n'arrêtait pas de dire, dis à mon peuple que je reviens. Je reviens bientôt. Et puis je me suis réveillée. C'était la fin du rêve. Et quand je me suis réveillée, j'ai juste ressenti ce fardeau dans mon cœur. J'étais effrayée, j'étais terrifiée quand j'ai vu Dieu. Quand j'ai vu juste sa colère et sa frustration envers le monde. Je sais que le monde va vraiment mal en ce moment. Je sais que les gens se détournent de Dieu. Il se passe tellement de choses. Et je suis sûre que Dieu est tellement en colère. Et cela me fait peur pour l'âme des gens qui ne le connaissent pas. Et aussi les personnes qui se considèrent chrétiennes, mais ne sont vraiment pas prêtes pour son retour. Qui n'ont vraiment pas leur vie en ordre. Et donc je partage cela avec vous. Pour que vous sachiez que ce rêve que j'ai fait, je crois très fort que c'était réel. Que c'est quelque chose, que c'est un avertissement. Que Dieu veut que nous sachions que cela ne tardera pas avant que Jésus revienne. Et nous devons être prêts. En tant que chrétiens, nous devons chercher Dieu. Chercher si nous avons des péchés dans notre vie pour nous en détourner. Nous devons avoir une bonne relation avec le Seigneur. Nous devons dire aux autres qu'il revient, que nous prions pour les âmes des personnes qui ne sont pas encore prêtes pour lui. Et vous savez, je pense à Noé. Comment le monde était tellement pécheur et Dieu l'a anéanti. Je pense à Sodome et Gomorre qui ont été anéantis. Dieu ne peut continuer à tolérer tant de péchés avant d'en avoir assez. Et je crois que ça ne va pas tarder avant que Jésus revienne, en cette fin des temps. Et il emmènera avec lui
les personnes qui sont prêtes pour lui, qui le connaissent, qui marchent avec lui. Et donc je voulais juste partager cela avec vous. Et je prie pour que vous preniez cela à cœur et que vous prépariez votre propre vie, votre propre cœur pour cela, pour la venue de Jésus. Nous voulons tellement profiter de ce monde pendant que nous sommes ici. Et il est tellement facile de tomber dans les mœurs du monde, d'être très occupé, d'essayer d'accomplir différentes choses, d'essayer de bien paraître dans le monde sans perspective. Mais quand Jésus reviendra, aucune de ces choses n'aura d'importance. Cela n'aura plus d'importance. Nous devons être constamment prêts et constamment en communion avec Dieu. Nous devons mettre nos vies en ordre parce qu'il ne revient pas pour prendre tout le monde. Il y a des gens qui n'iront pas. Je ne veux pas que ce soit moi. Je ne veux pas que ce soit vous. Je ne le veux pas à mon pire ennemi. Je ne voudrais qu'aucune personne soit séparée de Dieu, parce que c'est la pire des punitions que l'on puisse jamais subir. Alors merci pour votre écoute, et que Dieu vous bénisse.